Wesh les frères, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite. On va essayer de deviner à chaque kill si c'est un manette ou si c'est un clavier souris. Sans plus tarder les frères, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. On rush la barre des 500 abonnés. Puis sans plus tarder, on part en game. Ok les frères, donc là on est dans le bus, chez Grimgomgabl. D'ailleurs, vous en pensez quoi les frères que Shifty Shaft a été remplacé par cette ville là, là? Moi je trouve ça un peu dommage car Shifty Shaft c'était une bonne ville en soi. Donc c'est un peu dommage. Ah, peut-être c'est. Oh putain! Et c'est la World Cup, hein! Ça commence déjà, il y a pas mal de monde. On va essayer de récupérer un peu de kills. On va essayer de pas mourir au spawn. Directement, petit pont. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, 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 wesh. Bon, lui, je pense pas que c'était. Je pense pas qu'on pouvait juger son niveau, mais je pense que c'était un manette en vrai. Donc on verra ça bien après, mais je pense que c'est un match. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des zombies bizarres là? D'ailleurs les pères, vous préférez quoi comme pompe sur cette saison? Moi je préfère le pompe à une balle là. Bon, par contre là c'est horrible, on est où là? Mais wesh. Bon lui il était pas ouf. Je pense en vrai que c'était un petit manette aussi je pense. Ah mais c'est vrai, le lance-citrouille il est de retour. On va aller récupérer le lancer de poule. C'est pas énormément de maths, mais en vrai, c'est faisable. Moins 87. Voilà pourquoi ce pompe, il est incroyable, les frères. Hein. Et voilà. En vrai, je pense que c'était un CS, lui. Je sais pas pourquoi. Petit pressentiment. D'ailleurs, les frères, j'ai vu que pas mal de personnes. Wesh, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Laisse-moi parler, non? D'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes me DM, etc. sur Instagram me demandant bah, pourquoi j'ai pas like cette dernière semaine. Les frères, tout simplement. Ah, bon, on va relancer une game et je finirai ma phrase après. Bon, du coup, les frères, ça y est, on est en game. Bon, on parlera pas de la balle de sniper qu'on s'est pris juste avant. Du coup, les frères, oui, j'étais en train de dire. J'ai pas live cette semaine parce que bah, j'ai été assez malade. Du coup, bah, je voyais pas l'utilité pour ça à live en étant malade. Et d'ailleurs, mes horaires de live, je vous les affiche juste à l'instant à l'écran. Pour ceux qui veulent venir, etc. Je joue très, très souvent avec vous en live surtout. Bon, aussi hors live, mais c'est juste que là, je suis en vidéo, donc je vais éviter d'inviter des abonnés, vous voyez, en vidéo, enfin bref. Écoutez, on va se faire un spawn un peu plus agressif. Je pense qu'on va aller à Chrome Crossroad. Oh, et ça a changé le nom de la ville, j'avais même pas vu. On va là-bas et on va essayer de faire top à cette game. Malheureusement, on n'a pas été chanceux, la game d'avant, c'est pris une balle de sniper. D'ailleurs, vous en pensez quoi du retour du sniper? Je sais que ça fait pas mal de temps qu'il est là, surtout cette saison, il re-one-shot. Je trouve ça assez dommage. Peut-être pas en game, vous avez vu, en MM, sur un Battle Royale normal, etc. Mais genre dans les modes compétitifs, genre arène et surtout la compétition. Arène et compétition, c'est assez chiant qu'ils aient remis le sniper parce que vous imaginez, ça va faire une taille de game et d'un coup vous prenez une balle de sniper. C'est un peu dommage. Lance-roquette là, j'espère que je vais être le premier à l'avoir. Ok, j'ai eu le lance-roquette. Mais à quel prix? Mais c'est quoi ça? Mais j'en ai marre! Bon, bah on se retrouve pour la troisième game, les frères. D'ailleurs, petite chose à dire. Souvent dans mes vidéos, vous pouvez voir en mode qui a marqué en haut à droite élimination enregistrée, etc. C'est mon truc Nvidia pour les futurs highlights qui vont arriver sûrement. Donc voilà. On espère faire une bonne game par contre cette game parce que vas-y, on en a marre un peu des retours au lobby. On va aller à la bamboche, même si j'aime pas trop ce spawn, je sais pas, ça m'inspire. Je sais qu'un abonné me l'avait recommandé en live. Donc écoutez, on va aller à la bamboche et on verra bien. C'est un bon spawn ou non. Voilà, c'est le spawn, on va dire, de l'abonné. C'est lui, il m'a dit, la bamboche, c'est le meilleur spawn. Donc, on va voir s'il a eu raison ou non. En fait, j'aime pas ce spawn parce qu'il y a de la musique, c'est horrible. Est-ce qu'on a été contest? Il y a un mec. Après, ce qui est bien avec ce spawn, c'est qu'on peut se mettre full uniquement avec les bidons. C'est ça qui est bien, vous pouvez économiser vos mini, etc. On va dire c'est le point positif de ce spawn. Par contre, c'est vraiment pas la musique le point positif sur le coup. Après, peut-être je critique, mais il y en a qui aiment bien. Moi, je sais que j'aime pas juste par rapport à la musique. Comment est-ce qu'on va pouvoir les tuer? Ok, je pense que lui, il va être compliqué à tuer. Ok, il se fait back. On va essayer de les back aussi, du coup. Oh non, mais j'ai la haine, frère. J'ai fait toute une game pour ça, vraiment. Bon, on va spawn agressif groupe. Ça me paraît un bon spawn. Essayer de spawn sur le bâtiment. Il n'y a pas de dard. On va essayer de spawn ici directement. Hop là. Il y a eu le pompe. On lui a mis un petit laser.
Hop là, mort. Lui, en vrai, je pense que c'était un manette. Vu comment il m'a rush, je pense qu'il y a moyen que c'était un manette. Mais c'est pas possible, wesh. J'ai plus de masse. J'ai rien pour spam, sa mère. Ah. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Avec une plus de balles de pompe en plus. Lui, je pense en vrai c'était un CS. Vu comment il m'a aggro et tout, je pense que c'était un CS. Mais en vrai, je me voyais mal repartir gagnant de ce fight. Il m'avait mis une grosse balle. Mais bon, je sais pas comment j'ai fait, mais on a réussi à win. Il a un HP. Mon pompe il a pas tiré, vous avez tous vu. Ah pourquoi? Mais non, mon pompe. Non, dommage. J'en ai marre de faire des games. Ah ouais, d'ailleurs, les frères, je m'en suis pas tenu au titre à la miniature de la vidéo. Le dernier kill que j'ai fait, j'ai même pas dit, je pensais que c'était un CS ou bien un manette. En vrai, le fight était compliqué étant donné qu'il y avait deux personnes. Donc de savoir si c'était un manette ou un CS, c'est assez compliqué. Moi, je pense que c'était un clavier souris. Bon, on va re-essayer de spawn Crazy Grove pour cette dernière game. Et on va essayer aussi de faire un petit top 1. J'ai mis moins 4 et moins 3, c'est quoi c'est... Ah. Bon bah lui, il n'y a pas de doute les frères, c'était bel et bien un bot. Hein. Ah, c'est compliqué ce fight. Hop là, voilà, on a joué l'intelligence. Je pense que en vrai, c'était un manette. Oh, c'est une blague, ça arrive encore. Ah non, ok, c'est lui. C'est le bot. J'ai eu peur du bot. J'ai tiré sur le bot au lieu de tirer sur... au lieu de tirer sur le mec. Il a un HP. Il est mort, let's go. Par contre, le bot, il veut nous tuer maintenant. Eh ben, écoutez, les frères, cette game commence plutôt pas mal avec 3 kills. Et lui, je pense que honnêtement, c'était un CS. Franchement. Mais il a pas eu de chance, hein. Franchement. Oui. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais non, mais wesh, non, mais... Ah, il y a un mec juste là-bas. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille le rush. Ok, on n'a pas réussi à caler de balle. J'ai un aim désastreux. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un autre que moi. Je sais pas, je crois si je suis sûr. Ok, donc on est un peu beaucoup là. Hack, mort. Ok, lui je pense que c'est un manette. Wesh. Mort encore. Non, je peux pas me box. Ok, hop là. Non, on est très très mal là les frères. Ok, il a pas de... Non, dommage. Malheureusement, c'est très dommage là ce qui est en train de se passer. On va reprendre ce. Malheureusement, je dois recharger mon pompe. Ah, c'est dur de recharger le pompe. Ce pompe, est, en fait, il est compliqué à recharger en game. C'est dommage. Non, j'ai eu un freeze. Oh, le big freeze que je viens d'avoir, les frères. Putain, mais il veut pas lâcher l'affaire, lui. Non!
Let's go, on l'a tué. Let's go, les frères. Bah, du coup, pour revenir. Je pense que celui que j'ai tué juste avant était un joueur manette et celui-là un CS. En vrai, celui d'avant, je vous avoue, j'ai pas trop vu son niveau. On va prendre le compas amorce. On peut aller rush directement. On prend la hauteur. Ah, il veut qu'on teste le high. Hein. Ah, dommage, j'ai pas réussi à. Wesh! Oh non! Ça, c'est le mec bien chiant qui veut venir back pour rien. En plus, c'est vraiment pour rien là, du coup, pour le coup. Il a pris 29 shield, je pense que je l'ai calmé. À partir de là, il va casser les couilles avec son truc, lui. On se le dise. Hein. Et merde, non, pas ça, pas maintenant, frère. Non, frère. Mais backez-le lui. Tu vois, quand c'est moi qui me fais fight, y'a personne qui me back, frère. Alors, t'as voulu faire le mec, hein? Par contre, ah, j'ai plus de maths. Let's go! Plus de matériaux, plus rien. J'ai plus de matériaux. Hein. On va faire ça comme ça, je pense. Le mieux à faire. Comment ils ont pu me niquer tous mes maths là? Vraiment. Est-ce que mon loup il est toujours là? Là c'est la galère les frères. Là on est vraiment dans la galère. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui back là, qui me tue, je sais pas comment. Et surtout il y a lui là-bas qui me fait chier. Je savais il était dans le bush. Franchement c'est trop bien pré-shot je trouve. Merde. Ok, directement on a récupéré des matériaux. Aïe. Non, dommage. Bon bah les frères, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement on n'a pas réussi à faire un petit top 1. Je pense que le problème ça a été les lance-roquettes. J'ai eu beaucoup de roquettes dans la gueule, etc. Enfin bref, c'est pas grave. Je pense que le problème, ouais, effectivement, a été les lance-roquettes. Sur ce les frères, c'était Morey. On se retrouve bah, soit en live, soit en vidéo, ça dépend. Tout dépend de quand je fais des vidéos, etc. Mais en live de sûr. Bon bah sur ce les frères, c'était Morey. Vas-y, ciao.